Bonjour à tous. Si j'ai pas eu pardon, le temps de vous saluer, bonjour, je me joins à l'accueil de Romain, bienvenue à chacun. En lisant ce texte, je me suis posé une question absolument existentielle. Je vous la partage. Quel était le dessert préféré de Luc? Alors j'ai longuement réfléchi à cette question et je me suis dit, je pense que c'est la tarte tatin. Alors pourquoi? Bonne question. Ben, je vous laisse un peu réfléchir, je vous donne quelques indices. Alors revenons plus sérieusement à notre texte et je vous propose un petit résumé du passage qu'on vient de lire. Voilà. Donc, on voit deux attitudes face à la façon dont Dieu se révèle en Jésus, la méfiance ou la confiance. Et ce qu'on voit, c'est que Jésus pardonne la femme pécheresse, mais confiante, et interpelle le pharisien confiant en lui-même. Et donc, je vous propose le plan suivant. Donc, un pharisien accueillant et une femme à l'attitude déplacée dans les versets 36 à 38. À 39, pardon. Ensuite, un pharisien à l'attitude déplacée et une femme accueillante dans les versets 39 à 47. Et enfin, dans notre troisième partie, on verra comment Jésus lève le voile. Il révèle la vérité, pardon, sur la situation de chacun, sur lui, avec un, j'aurais pu mettre avec un L majuscule, sur elle, la femme, et sur Simon. Donc alors, vous avez une idée pour la tarte tatin? Bah on va voir une situation qui est un peu renversante et on va voir que Luc aime pas mal les renversements. Et donc, je pense qu'il aimait bien la tarte tatin. Bon, bref. Alors, juste un peu de contexte pour revenir à notre texte de façon plus précise. Un des fils conducteurs qu'on voit dans Luc 7, c'est la réaction que suscite Jésus, ce dont a parlé aussi tout à l'heure Romain. Les personnes qu'il côtoie, est-ce qu'ils lui font confiance ou est-ce qu'ils sont méfiants? Face à la façon dont Jésus se révèle et donc dont Dieu se révèle par lui, comment réagissent les personnes qui voient ça? Et déjà là, on voit que Luc aime bien les renversements parce que c'est un peu étonnant que les personnes qui répondent de manière positive, pardon, confiante à l'action de Jésus. On le voit au début de Romains, c'est pardon, au début du chapitre 7, c'est un officier romain, donc qui n'est pas juif. Ensuite, on voit que ce sont des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire les collabos de l'époque, hein, pas les personnes les plus respectables et respectées. Et on le voit dans notre passage, c'est une femme pécheresse. Donc c'est un peu surprenant de voir que ceux qui reconnaissent la sagesse de Dieu en Jésus sont des personnes, entre guillemets, peu recommandables, dans un certain sens. Et de façon tout aussi surprenante, les religieux, ceux qui connaissaient l'Ancien Testament, les pharisiens, les enseignants de la loi, eux ne vont pas reconnaître Jésus. C'est ce qu'on a vu dans le passage précédent. Et donc c'est ce que révèle un peu ce contexte. On est un peu dans cette ambiance-là, un peu étonnante. Au final, notre position vis-à-vis de Jésus détermine notre relation avec Dieu. C'est ce qu'on va voir. Notre relation à Dieu dépend de l'amour que l'on a ou pas pour Jésus. Il s'agit donc de reconnaître en Jésus la sagesse de Dieu, la sagesse du plan de Dieu. C'est là la bonne attitude des enfants de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 35, juste avant notre passage. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Et donc, en fait, notre passage, donc les versets qu'on vient de lire juste avant, que Aurélien a lu, c'est tout simplement une illustration de cette situation.
on va voir que l'exemple de la femme pécheresse pardonnée qui accueille Jésus avec confiance et reconnaissance devrait pousser Simon à abandonner sa méfiance et à aimer Jésus. Donc alors, première partie, un pharisien accueillant une femme à l'attitude déplacée. Je vous encourage à garder vos Bibles près de vous, ouvertes à la page donc 667. Pour suivre, donc je vais relire les versets 36 à 38. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle emporta un vase plein de parfum et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Comme le verset 34 nous l'annonçait, je vous le lis, donc juste avant, le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et vous, dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et un pécheur. Et un ami des pécheurs. Donc. Ce qu'on voit là, c'est ce qui se passe. En effet, Jésus s'installe, il mange et il prend du temps avec des gens. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il est ici, il est invité par un pharisien. Jusqu'ici, dans l'évangile de Luc, ce qu'on voit, c'est que les pharisiens sont plutôt hostiles à Jésus. Ils sont plutôt méfiants. Et là, ce pharisien semble être un peu différent. Il l'invite chez lui, il est curieux, il veut en savoir plus. Cet homme a certainement vu ou entendu parler de ce qu'a fait Jésus juste avant. On a vu qu'il a, par exemple, ressuscité le fils d'une veuve. Et donc, il se questionne. Et du coup, il accueille Jésus chez lui. Il lui demande de venir. Il est plutôt positif vis-à-vis de Jésus. Tout le monde est à table, tout semble aller pour le mieux. Et voilà une femme pécheresse qui se tient aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa du parfum sur eux. Bon, cette femme n'est pas invitée, ok ? C'est pas vraiment un problème pour l'époque. C'était un peu plus libre d'entrer dans les maisons que maintenant. Et dans ce genre de dîner, il pouvait y avoir des gens qui n'étaient pas forcément invités. Mais elle vient près de l'invité. Elle se met à côté de lui. Elle pleure. Et maintenant, elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Etc. Vous voyez que, bon, l'invité d'honneur, en quelque sorte, une personne peu respectable vient auprès de lui, fait des trucs un peu étranges. Au mieux, ce qu'elle fait, son attitude paraît déplacée. Mais au-delà du bizarre de la situation, le verset 39 nous révèle le vrai problème de cette situation. Je lis le verset 39. « Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, » il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. En fait, le problème, c'est qui est cette personne? Selon certains commentateurs, il s'agissait peut-être d'une prostituée. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était de notoriété publique que cette femme avait une mauvaise vie. Et elle se permet, elle, de venir et de toucher l'invité de Marc, de toucher Jésus. Simon est choqué. Et Simon, il est pharisien. Et en fait, pour lui, une des choses essentielles dans la vie d'une personne qui veut honorer Dieu, c'est de rester pur. C'est-à-dire que pour avoir accès au temple, au lieu où on rencontre Dieu, il faut respecter tout un tas de règles pour ne pas être impur. Et là, pour Simon, cette femme, elle est totalement impure. Et si elle touche Jésus,
Le problème, c'est qu'elle lui transmet son impureté. Jésus est impur. Et Jésus le sait. Et enfin, il devrait le savoir si c'était un prophète. Comment est-ce qu'il peut laisser faire ça? Selon Simon, Jésus, s'il avait eu le bon discernement sur cette situation, sur cette femme, il ne laisserait pas faire cette situation. Il laisserait. Et donc, vu qu'il laisse faire les choses comme ça, ben, c'est pas un prophète. On voit que Simon, ici, est vraiment méfiant vis-à-vis de Jésus. Il y a quelques années, j'étais à la fac, sur les bancs de la fac, j'attendais le premier cours d'une séance dont l'intitulé du cours ne me passionnait pas, ça avait l'air plutôt pénible, mais bon, il faut y aller, donc j'y vais. Le prof arrive, et alors là, il avait vraiment une dégaine plutôt, pardonnez-moi, mais pitoyable. Alors là, je me dis, ça va être très, très, très long. Et le cours commence, et là, moi, j'ai pris une bonne claque dans la tête, parce que c'est un des meilleurs cours auxquels j'ai jamais assisté. Le gars était brillantissime. Ce qu'il disait, c'était pertinent. Je me souviens très bien. J'avais le bras qui chauffait parce que j'écrivais et je voulais rater rien de ce qu'il disait, tellement c'était riche, tellement c'était vraiment c'était excellent, quoi. J'étais totalement à côté de la plaque. Mon a priori était complètement mauvais. Et c'est la même chose pour Simon dans notre texte. Simon ne comprend pas ce qui se passe en vérité. Il croit être lucide, mais il ne l'est pas. Il est méfiant vis-à-vis de Jésus, mais dans sa grâce, c'est ce qu'on va voir, Jésus va l'enseigner. J'aime la façon dont Luc raconte la vie de Jésus. Alors que la situation semblait être, d'un côté, un pharisien accueillant et une femme à l'attitude déplacée, hop, on voit que la situation, Jésus la renverse complètement. Et on a un pharisien à l'attitude déplacée et une femme accueillante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'au verset 40, en fait, on ne reconnaît pas l'identité de ce pharisien. Et ce n'est pas un hasard, justement, si Luc, il choisit dans sa narration que ce soit Jésus qui révèle l'identité de Jésus. Regardez le verset... Jésus qui révèle l'identité de Simon, pardon. Regardez le verset 40. Jésus prit la parole et lui dit « Simon ». C'est la première fois où on sait que Simon s'appelle Simon. Et en fait, c'est une façon de montrer que c'est Jésus qui connaît vraiment qui est Simon, qui a le vrai bon discernement sur la situation. C'est assez ironique en fait. Alors que Simon pense que Jésus n'est pas un prophète, qu'il n'est pas lucide, Luc nous montre que Jésus connaît les pensées de Simon. Et donc, dans les versets 40 à 47, en fait, c'est spécialement à Simon qui s'adresse. Regardez, verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, donc Simon. Ensuite, ce qu'on voit, c'est au verset 43. Jésus interroge Simon, enfin au verset 42. Et ensuite, au verset 44, puis il se tourna vers la femme et dit à Simon. Donc de nouveau, même à partir du verset 44, il parle à Simon. Donc, voyons ce qu'il lui dit. Jésus, donc je lis au verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu.
Juste une toute petite remarque sur ce verset 47. On pourrait croire que il est dit que parce qu'elle aime Jésus, parce qu'elle a beaucoup aimé Jésus, elle a été pardonnée. Donc, son amour est la source de son pardon. En fait, ça ne peut pas être comme ça. Déjà parce que dans le contexte global, ça serait très bizarre de comprendre ce verset comme ça. Mais ensuite, si on lit juste la fin du verset 47, « Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » On voit bien que la source de l'amour, c'est le pardon. Et donc, ça ne peut pas être l'inverse. Voilà, juste parenthèse fermée. Donc, revenons à Simon. Je pense que quand il a entendu Jésus lui dire ça, lui montrer à quel point son accueil n'avait pas été génial, il a pris une grosse claque dans la tête. Alors qu'il se pensait certainement irréprochable dans cette situation, et que pour lui, la femme, était absolument irrécupérable, et que Jésus était coupable d'avoir accepté ce qu'elle faisait, Jésus renverse les choses. Alors, dans la culture de l'époque, en fait, les gens marchaient avec des sandales, et donc lorsque vous invitez quelqu'un chez vous, c'est totalement logique que vous lui proposiez quelque chose pour se laver les pieds. Il n'y avait pas en plus le tout à l'égout, donc les pieds étaient vraiment sales. Et donc ce qu'on voit, c'est que Simon n'a pas proposé ça à Jésus. Simon n'a pas non plus embrassé Jésus, ça on connaît plus dans notre culture. Et Simon n'a pas versé d'huile sur la tête, c'est aussi une façon d'accueillir. Simon ne fait rien de tout ça. Et donc son attitude de Jésus tout d'un coup nous apparaît un peu moins positive, il n'est pas si correct que ça. Mais le comble, c'est que c'est cette femme pécheresse que Simon dénigre et de laquelle il a une très mauvaise image, c'est elle qui accueille Jésus comme il le mérite. Quel choc ça doit être pour lui, non seulement de voir qu'il n'est pas si bien que ça, mais en plus que la femme qu'il méprise, elle est mieux que lui. Et on peut noter quand même des choses qui sont vraiment intéressantes dans l'attitude de cette femme. Première chose, elle arrive dans un lieu où elle se sait juger. Et elle ne se préoccupe pas de son image. Elle veut honorer Jésus, elle y va, même si les gens autour d'elle vont la juger. Jésus a les pieds très sales, donc lorsqu'elle lui nettoie les pieds avec ses cheveux, ça doit... Enfin, dans un sens, ça ne doit pas être très agréable comme truc. Mais elle veut honorer Jésus. Et elle s'humilie de cette façon-là, ça ne lui pose aucun problème. Et enfin, elle verse du parfum à ses pieds. Le parfum, à l'époque, c'est quelque chose qui a de la valeur. Elle veut honorer Jésus. Pourquoi fait-elle tout cela? Parce qu'elle aime Jésus. Et nous verrons tout à l'heure, parce que les raisons de cet amour, nous les verrons tout à l'heure, suspense. Mais déjà, il me semble que si on est disciple de Jésus, on peut être frappé et questionné par cet amour. Est-ce que mon attachement à Jésus ressemble un peu à cet attachement de cette femme-là? Ou est-ce que je suis un peu trop attaché à mon image pour honorer Dieu de cette façon-là, honorer Jésus de cette façon-là? Au final, ce qui différencie la femme de Simon, c'est pas tellement leur courtoisie. C'est pas non plus leurs actions bonnes ou mauvaises, mais c'est finalement l'attitude, la réaction qu'ils ont vis-à-vis de Jésus. La femme aime Jésus, Simon ne l'aime pas. Et le but de Jésus, c'est pas seulement de mettre en lumière ce manque d'amour de Simon, mais ce qu'il veut, c'est qu'il comprenne qu'il doit faire confiance lui aussi à Jésus. Et donc je vous propose qu'on passe à notre troisième partie. Donc Jésus lève le voile, il révèle à la fois la vérité sur la situation de chacun, sur lui, sur elle et sur Simon. Dans ce texte, Jésus explique de façon lumineuse son rôle dans le plan de Dieu.
En fait, Simon a besoin de comprendre la grâce. Sa façon de penser comme quoi il peut en lui-même se rendre juste par rapport à Dieu, par ses bonnes actions, elle n'est pas bonne. Et il a besoin du pardon de Jésus, tout comme la femme a besoin du pardon de Jésus. Ils sont à égalité. Ils ont besoin de grâce. Et ça tombe très 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 bien, parce que justement, c'est ce qu'on voit. Jésus, il est là pour ça. Il est là pour faire grâce. Il est là pour montrer comment Dieu fait grâce par lui. Voilà ce que Jésus dévoile dans notre passage. Jésus fait grâce à la femme. Jésus fait grâce à Simon. Et pour ça, Jésus invente une petite parabole. Je vais la lire et je vais l'entrecouper de quelques remarques. Donc, verset 41. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Donc, on a trois personnes. Deux qui sont endettés auprès d'une troisième. Et juste pour que le cas soit un peu plus concret, en fait, pour l'un, la dette est d'environ 2 mois de salaire. Et pour l'autre, la dette est d'environ 1 an et demi de salaire, à peu près. Je reprends la lecture au verset 42. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux, leur dette. Waouh, plutôt sympa. Jésus pose ensuite une question à Simon. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que Jésus, il fait un parallèle entre l'amour que la personne la plus endettée, elle a pour son créancier généreux, et il fait un parallèle entre cette situation et la situation de la femme pécheresse, de l'amour que la femme pécheresse a pour lui. Et il fait ça dans les versets suivants. Donc en fait, ce que fait Jésus là, c'est qu'il se compare au créancier. Il se met à la place du créancier. Et quelles sont les dettes de la femme? Ce sont justement ses péchés. Dans la parabole, en fait, quand Jésus parle de dettes, il parle de péchés. Et du coup, face au prêteur, le statut des deux endettés, il est le même. Nous venons de le voir. Par cette parabole, Jésus lie le péché et la dette. Du coup, ça signifie plusieurs choses. La première, c'est que le statut pour celui qui a beaucoup péché comme pour celui qui a peu péché, auprès de la personne auquel ils sont redevables, leur statut est exactement le même, ils sont endettés. Et donc en fait, Jésus met Simon sur le même plan que la femme pécheresse, que lui, il dénigre complètement. Donc déjà, ça a dû pas mal bousculer Simon. Mais Simon, en tant que pharisien zélé pour Dieu, il peut accepter cette idée-là, même si ça lui fait un peu du mal, il peut accepter qu'il est redevable, qu'il est fautif devant Dieu. Mais dans sa compréhension à Simon, le créancier de notre histoire, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Relisons les versets 47 à 50, et c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, donc Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire entre eux, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Je pense que pour Simon, le choc, il est massif. Dans notre scène, dans ce qui se passe là, celui qui pardonne et qui reçoit l'amour en conséquence de ce pardon, c'est pas Dieu, c'est un homme. C'est ce que pense, c'est ce que voit Simon de cette scène. Et dans ce passage,
Jésus, un homme, se donne un droit que seul Dieu a, celui de pardonner les péchés. Nous sommes avant l'œuvre de la croix, mais Jésus enseigne, il renverse la perspective des gens qui l'entourent sur la façon dont on peut être en relation avec Dieu. Au centre du plan de Dieu pour sauver les hommes de leurs dettes, il y a Jésus. C'est la sagesse de l'Évangile. La relation à Dieu ne dépend pas d'actions bonnes ou mauvaises, mais de la relation qu'on a avec une personne, Jésus. Au final, Simon comptait sur lui-même pour être juste devant Dieu. Notre relation à Dieu dépend de l'amour que l'on a pour Jésus parce que nous sommes pardonnés en Jésus. Par Jésus. Et pour Simon comme pour nous, il nous faut abandonner ce désir, cet instinct presque, d'être autosuffisant, de se justifier soi-même, de se croire juste par nos propres forces. Nous avons besoin du pardon de Jésus au moment de la conversion, mais également une fois qu'on s'est confié en tant que disciple à Jésus. Il me semble que c'est un peu dans notre nature de continuer à se justifier soi-même. À la croix, Jésus prend la dette, prend les péchés des hommes. Voilà comment Dieu nous pardonne. Cependant, il nous faut remarquer que ce qui sauve la femme, c'est sa foi. C'est sa confiance en Jésus. Notre texte ne nous dit pas si Simon, lui, a fini par croire. Et donc ce texte nous interroge, quel est notre rapport à Jésus? Est-ce que nous lui faisons confiance? Est-ce que nous sommes méfiants? Et il me semble que dans justement cette scène qu'on voit, Jésus fait plein de petites allusions. Luc, donc l'auteur, Luc fait plein de petites allusions au chapitre qu'on a vu précédemment, le chapitre 6 notamment. Mais justement dans le but de nous donner des raisons de croire, dans le but que nous fassions à notre tour confiance à Jésus. Alors, la première. Notre passage, il me semble, illustre à merveille que Jésus est le maître voyant au milieu des aveugles. Je prends la page d'à côté, le chapitre 6, verset 39. Vous pouvez juste écouter. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Dans notre passage, celui qui connaît la pensée de Simon, qui discerne le cœur de la femme pécheresse, qui aide à comprendre le plan de Dieu, celui qui est vraiment voyant et qui nous éclaire, nous les aveugles, c'est Jésus. Un autre passage, le verset 6, 37, chapitre 6, verset 37, donc je lis, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. » Jésus nous commande de ne pas juger, mais de pardonner. Et on sait à quel point c'est difficile à faire, ça. Et face à de tels propos, ce qu'on voit dans notre passage à nous, qu'on a lu aujourd'hui, c'est à quel point Jésus est cohérent. Jésus ne juge pas Simon, alors qu'il l'accueille de façon tellement mauvaise, quoi. Jésus vient à table, il s'installe avec lui. Jésus pardonne la femme pécheresse. Une dernière chose que nous pouvons remarquer, c'est que alors que la femme et Simon sont chacun rebelles à Dieu à leur manière, Jésus se montre comme l'image même de la compassion du Père céleste. Il est plein de compassion. Écoute, lisez ce verset 36. Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. En effet, Jésus apporte à Simon l'explication nécessaire pour que celui-ci comprenne
qui il est, comprenne qu'il a besoin lui aussi du pardon de Jésus. Jésus tend les bras à Simon par ses paroles. Et que dire de la compassion dont il fait preuve à l'égard de la femme pécheresse? Lorsque cette femme est entrée dans la maison de Simon, elle était coupable de toutes sortes de mauvaises actions, et pas juste elle le sait, tout le monde, tous ceux qui étaient là, le savaient, aux yeux de tous. Mais lorsqu'elle en est sortie, elle était blanchie par Jésus, pardonnée par le Fils de Dieu en personne. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Jésus la pardonne, il la purifie, mais également il la réhabilite aux yeux de tous. Je suis désolé si j'ai fait un peu long, vraiment. Mais si vous avez décroché, c'est le moment. Je vais essayer de résumer ça un peu de manière condensée. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Il me semble que ce qui est déterminant dans ce texte, c'est qu'on voit que Jésus lève le voile sur le fait qu'il pardonne. Il est habilité à le faire, à apporter la réconciliation à ceux qui ont une mauvaise vie ou à ceux qui, en tant que religieux, croient qu'ils peuvent être justes par eux-mêmes. Jésus lève le voile pour que chacun d'eux, selon leurs besoins ou selon leur situation, comprennent que Jésus est là pour faire grâce envers la pécheresse, envers le religieux qui s'égare. Face à cette grâce, il nous faut nous positionner face à un Jésus qui est tellement cohérent, tellement généreux, tellement bienveillant, tellement divin, tellement puissant, il peut pardonner. Si vous êtes sceptique, méfiant à l'égard de Jésus, je vous encourage à vous laisser interpeller par ce texte. Et je vous encourage à le relire. Je ne sais pas s'il y a des I Love LA, mais sinon, vous pouvez prendre une Bible, si vous n'avez pas de Bible chez vous, vous pouvez prendre une des Bibles qui est là, et vous pouvez relire ce texte. Et je vous encourage à voir combien Jésus est bienveillant, plein de compassion, combien Jésus fait grâce. Pour cela, il faut cependant, pour accéder au pardon, il vous faut placer votre foi en lui. Une autre chose qu'on peut se demander, c'est à quoi ressemblerait Simon aujourd'hui? Il me semble que ce serait une personne profondément respectable. Je pense qu'il irait très régulièrement à l'église, peut-être même qu'il donnerait une partie de ses revenus à l'église. Je pense que dans son quartier, ce serait quelqu'un d'extrêmement bien vu, qui serait bienveillant envers les personnes qui ont besoin, des besoins financiers, des besoins psychologiques, d'aide, etc. Il serait attentif certainement à tout ça. Bref, ce serait quelqu'un de bien. Mais ce que nous dit ce passage, c'est que ce n'est pas suffisant. Même si vous êtes vraiment quelqu'un de bien, vous avez quand même besoin du pardon de Jésus. Nos bonnes actions ne suffisent pas à nous rendre justes devant Dieu. Alors nous qui faisons confiance à Jésus, qui sommes au bénéfice de son pardon, quelle est notre réaction face à ce texte? Est-ce que nous aimons Jésus avec la même ferveur que cette femme? Est-ce que nos vies montrent que nous l'adorons, lui? Est-ce que nos vies montrent que nous sommes plutôt préoccupés par notre amour pour nous-mêmes plutôt que notre amour pour Jésus? Personnellement, l'amour de cette femme pour Jésus me bouscule pas mal. Je ne crois pas être capable de faire ce qu'elle fait. Et je me sens vraiment interpellé par ce texte. Et si vous êtes comme moi, il me semble que nous avons une ressource que Jésus nous donne. Je vous relis le verset 47 dans la version Summer. C'est une traduction qui est juste, il me semble, pour ce verset un peu plus clair. Donc c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour.
Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Autrement dit, notre amour pour Jésus, quelque part, il est proportionnel à la conscience que nous avons de notre péché. Plus j'ai conscience que je suis un grand pécheur, plus j'ai conscience de la grandeur du pardon que m'offre Jésus. Et donc, plus je peux aimer Jésus. L'idée, c'est pas ici de s'auto-flageller en disant « Ouais, je suis super nul, nanana. » Parce qu'encore une fois, là, c'est une façon de se centrer sur soi. Mais c'est plutôt que Jésus nous donne le discernement pour comprendre ce qui, en nous, dans nos pensées, dans nos fonctionnements, ne plaît pas à Dieu. Et en prenant conscience de cela, nous mesurons la grandeur et la grâce du pardon en Jésus. Nous pouvons alors puiser dans ce pardon si grand de Jésus pour l'aimer en retour, en réponse. Pour vivre en étant plus dépendant de lui, être vraiment reconnaissant de ce qu'il fait. La dynamique, c'est pas d'être centré sur soi, mais en fait, c'est une dynamique dont Jésus est le moteur et l'objectif. Vivre chaque jour pour lui rendre gloire, pour l'honorer, pour l'aimer. Je vous propose de prier. Père, merci pour ta parole et merci pour cette grâce que tu nous offres en Jésus. Merci parce que tu as choisi de te manifester en Jésus pour nous faire grâce, pour nous offrir ton pardon. Merci. Que nous ayons une mauvaise vie ou que nous pensions être justes par nous-mêmes, nous pouvons tous être réconciliés avec toi par Jésus. Père, s'il te plaît, aide-nous à saisir cette grâce. Aide-nous à placer notre confiance en Jésus et à plus l'aimer. Aide-nous à manifester cet amour concrètement avec nos collègues, nos amis, les personnes de notre famille, les personnes avec qui on passe le plus de temps. Et que ce soit ton pardon qui motive notre amour pour toi. Merci pour Jésus, merci pour ta grâce. Amen.